France-Pologne, c'était hier. 3-0 pour 3-1 pour les Bleus. Non, 3-0, hein, ce pénalty, je peux l'oublier parce que. On va commencer à y croire, non? On est en quart. Bon, est-ce qu'on y a toujours cru? Évidemment qu'on y a toujours cru. Non, pas du tout. Ouais, en quart. On est en quart. On a le cheat code de Bondy. Le meilleur joueur de la compétition. Ouais. Voire même du monde. Le meilleur joueur du monde, on va pas se voir la face. Et il est français, mesdames et messieurs. Voilà. Et hier, Kylian Mbappé, si vous ne l'aviez pas deviné quand même, il a dit hier devant les micros, j'ai bâti ma saison sur cette compétition. Et ça se voit, puisque là, il est à 5 buts, 2 passes D. Hier, il donne une passe D à Giroud, il inscrit ensuite un doublé. On répète souvent ce qu'on dit sur Mbappé, mais on a du mal à trouver les mots vu ce qu'il fait. Ouais, non, mais après, il était au rendez-vous. Surtout sur les deux buts, son dégage, renforce cette impression un petit peu de domination. Vraiment, on sent au-dessus. Quoi, voilà, parce que la finition, c'est surtout ça qui était frappant dimanche, je trouve, c'est la façon dont il finit. Il montre à quel point le mec maîtrise. C'est-à-dire que c'est pas un but de raccro. Il attend, il met deux sacoches énormes que le gardien ne pourra jamais enlever de sa vie. Ouais, clairement, il est beaucoup plus fort qu'il y a 4 ans. Bien meilleur qu'à l'Euro il y a 2 ans. L'été dernier. Il a réussi à éclipser carrément Olivier Giroud, qui pourtant a vécu quand même un nouveau, un énième jour de gloire en équipe de France. On va en parler un petit peu d'Olivier Giroud, franchement il le mérite. Enfin, hier, il a battu le record de buts de Thierry Henry sous le mode de l'équipe de France. 52 buts en 117 matchs. En termes de ratio, c'est pas mal du tout, puisqu'il marque un but toutes les 128 minutes avec le maillot des Bleus. Henry, c'est toutes les 178 minutes. Benzema, toutes les 173 minutes. Et même Mbappé, c'est moins bien, puisque c'est toutes les 144 minutes. Donc franchement, au-delà des statistiques, là, ça y est, il entre au panthéon du sport français, du football français, et c'était un peu inattendu, quoi. Non, et puis, il marque un but, voilà, son premier but en phase finale de Coupe du Monde. But important, parce que c'est le premier en but. Match à élimination directe, il avait quand même marqué en poule. Voilà, un but important, à un moment, on était un peu ballotté, on doutait un peu, parce qu'on venait de prendre quand même 10 minutes difficiles. Voilà, un joli but, en plus, voilà, un but de neuf, un peu, qu'il faut mettre. Après, pareil, c'est comme Mbappé, on n'est pas étonné de voir Giroud. Enfin, moi, ce qui m'étonne, Giroud, c'est physiquement. Il tient le choc, il est très peu souvent blessé, finalement. Alors là, il a fini un peu touché à la cuisse. Ça n'avait pas l'air de susciter plus d'inquiétude que ça. Il a quand même couru comme un gardon sur le deuxième but de Kylian en profondeur. Surtout qu'il a le temps de récupérer aussi. Bon, là, il y a 5 joueurs. C'est pas trop d'inquiétude pour Olive. Il a 36 ans quand même. Hein. Parfois, on a tendance à oublier, mais il fait tout ce qu'il fait à 36 ans. Qu'est-ce que vous en pensez d'Olivier? Est-ce que c'est notre... Babaji qui parle de la photo iconique Giroud Mbappé. Ouais. C'est vrai. Bah, ça, on s'en rappellera, ouais. Une photo, c'est vrai, une super photo. Où Mbappé regarde Giroud comme si c'était l'homme de sa vie. Et c'était beau. C'est peut-être le neuf de sa vie. Matuidi, qui s'exprimait dans l'équipe, disait « Giroud, c'est sans doute l'avant-centre le plus épuisant à marquer pour un défenseur par son jeu de haut but, sa protection de balle, sa force physique. » Oui, alors après, effectivement, dans un certain registre, parce que bon, l'avantage, c'est que sur les appels en profondeur, il n'y a pas non plus... même si il marque sur un appel en profondeur, finalement. Un petit appel. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment en train de perdre ma voix, là, c'est assez terrible. Mais bon, c'est pas parce qu'on avait Benzema, on n'avait pas oublié tout ce que pouvait apporter Giroud. Voilà. Effectivement, là, ça a le mérite de simplifier les choses. Il est là, en pointe. Et surtout, il peut être à côté. Mbappé ne lui donne pas un ballon à part le but. Imaginez si Benzema était encore là. Benzema, il faut qu'il touche des ballons. Ça passe par lui. Ah, Giroud, il s'en fout. Giroud fait ses appels. Il doit toucher 5 ballons par match. Et tu parles d'appel. Giroud, il fait un super appel aussi sur le premier but d'Mbappé, je crois. C'est lui qui prend l'espace et qui libère du coup toute une partie du terrain pour Mbappé. Pour moi, c'est pas un bon appel. C'est l'appel que doit faire un numéro 9 qui connaît le foot, en fait. C'est juste, mais du coup, c'est un appel décisif pour ouvrir l'espace. Non, mais j'entends, mais alors, effectivement, c'est bien de le souligner. Mais parfois, on en fait des tonnes sur ces appels-là. À partir de 12 ans, quand on joue au foot, quand on est dans l'axe et qu'il y a un mec qui déboule sur le côté tout seul,
Normalement, quand vous connaissez un peu le jeu, vous faites l'appel premier poteau pour que le mec soit tout seul derrière vous, et c'est lui la meilleure solution. Donc effectivement, Giroud, il fait cet appel-là parce que c'est le foot qui réclame qu'il le fasse. Et Giroud, il respecte toujours le foot. Voilà. Un peu de contexte sur Giroud quand même, pour retracer un peu son histoire en bleu. Première sélection à 25 ans, on le sait, il est arrivé un peu sur le tard. C'était en novembre 2011 contre les USA, et dès sa première titularisation, c'est février 2012 contre l'Allemagne, il marque. Il a connu des périodes où il s'est fait siffler simplement parce qu'il était préféré à Benzema dans la liste. Il a aussi connu 10 matchs sans marquer entre juin et septembre 2018. 2018, justement, il est critiqué parce qu'au Mondial, il ne marque pas. Bah là, déjà 3 buts dans ce Mondial. 3 buts à l'Euro, but à la Coupe du Monde 2014. je pense qu'aujourd'hui, il a réussi à retourner opinion, c'est un grand mot, mais aujourd'hui, qui critique Giroud? C'est mon personne. Tout le monde est ravi de l'avoir. Tout le monde était ravi de l'avoir, même si Benzema était là, et pour le faire, au moins pour l'avoir en fin de match. Je ne trouve pas grand-chose à dire de plus sur Olivier. Quand même, il devient le sixième meilleur buteur français en Coupe du Monde, avec 4 buts. Devant lui, il y a juste Fontaine, Mbappé, Henri, Platini, Zidane. Donc encore une fois, il se rapproche du Gotha. Et les Français avec au moins 3 buts sur une même Coupe du Monde pour situer là aussi. Giroud donc, Fontaine, Mbappé, Henri, Zidane, Griezmann, Benzema, Coppa, Gires, puis Anthony. Et effectivement, il a cet avantage incroyable de d'être le profil qui colle à tous les autres. À Griezmann, à Dembélé. Il y avait une théorie qui était intéressante, qui dépassait Giroud, mais que je voulais vous partager, c'est que globalement, en équipe nationale, où si on en enlève une ou deux qui bossent et qui ont un vrai style, par exemple l'Espagne, je sais pas, mais où on n'a pas le temps de faire des mises en place, machin. En fait, je trouve que le numéro 9, le vrai 9 à l'ancienne, comme Giroud, comme l'Allemand l'autre jour qui est rentré contre les Espagnols à Füllkrug, ta petite pépite. En fait, dans ces équipes-là où tout est assez simple, en fait, la France joue par exemple simplement, on a deux ailiers qui vont vite, on a un mec qui fait le lien avec le milieu, et on a un neuf, et en fait, ils retrouvent une certaine valeur qu'ils n'ont plus en club. Vous t'imagines parfois des schémas, des organisations tactiques plus compliquées, plus élaborées, notamment dans la structure de ton jeu offensif. Alors que là, j'ai envie de te dire, et la France parmi d'autres, et ben le neuf, t'en as besoin parce que tu vas mettre des ballons dans la boîte, parce que t'as besoin de déviation. Et il retrouve une forme d'utilité et de noblesse grâce à ces grandes compétitions. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, et Giroud, il n'a jamais été aussi utile qu'en ce moment. Donc, le voilà officiellement meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il y a eu un autre record hier qui a été, pas battu, mais égalé. C'est Lloris qui a rejoint Lilian Thuram avec 142 sélections. Là aussi, on a une génération qui bat un nombre incroyable de records. Après, il y a aussi un contexte où on joue de plus en plus de matchs internationaux. Voilà. Mais Lloris va dépasser Lilian Thuram. Lloris va dépasser Lilian Thuram contre l'Angleterre. Est-ce qu'il ira beaucoup plus loin? On ne sait pas quel sera. Il a toujours été très mystérieux sur la suite de sa carrière internationale. Lloris, est-ce qu'il va pousser encore? Il ne semble pas prêt de s'arrêter, en tout cas. Non, l'Euro est dans un an et demi. On ne sent pas de baisse de forme de sa part. Donc je pense qu'il va le mener peut-être un peu plus loin, autour des 160, 170. Et ce sera dur à aller chercher, sauf peut-être pour Mbappé. Est-ce qu'Mbappé, à la fin de sa carrière en bleu, il aura chassé tous les records? Bon, il va vieillir, hein, Kylian, attention, il va se blesser. Il n'est pas gardien. Mais déjà, le record de Giroud, je vous l'annonce, ça tombe à la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde 2026. Bon, il reste quoi, 20 buts, 15 buts à marquer? Pff, l'Euro, c'est réglé. Donc, c'est ma moment de voir. Giroud, faut qu'il en profite, hein, Olivier, parce que ça va pas durer. Henri, ça a tenu quand même 12 ans, ce record. Automne 2009, exactement. Donc là, ça durera pas 12 ans pour Olivier. Voilà. Il a probablement eu un an et demi devant lui, 2 ans max. On a le temps de kiffer. Mais il va peut-être le monter un peu, hein, qui sait. Bah, il a dit, hein, il compte bien le pousser un petit peu plus haut. Olivier, tu ne mettras pas dehors. Pour continuer à parler un peu de ce match, hier, on disait que défensivement, on s'est fait un peu peur à certains moments. On peut peut-être dire un mot sur Jules Koundé. Alors Jules Koundé, hier, le truc un peu marrant, c'est quand même qu'il débute le match avec une chaîne autour du cou. Ouais, alors. Comme on voyait chez les poussins quand l'arbitre ne checkait pas les joueurs avant le début du match. Quoi. Alors, assez invraisemblable. Ça a bien agacé Deschamps qui a dit en substance quelque chose du genre t'as de la chance que je t'avais pas en face. Parce que
C'est vrai que, alors déjà à 12 ans, les mômes qui se baladent avec des chaînes en or, t'as envie de leur foutre des paires de têtes de tarte. Mais globalement, sur le terrain d'une Coupe du Monde, ouais. Et globalement, ça va que tu t'amuses pas à ça, mais c'est le genre de truc, quand ça t'arrive dans un championnat, t'as envie de sortir le type en or. Tu sais quoi? Allez, au vestiaire. Ça a duré plus de 30 minutes hein, avant que les arbitres lui demandent de l'enlever. Et je voudrais rendre hommage, j'y pense, à l'assistant, alors je ne sais pas qui était le membre du staff des Bleus, qui a été diligenté pour lui enlever la chaîne. Parce que vous imaginez le moment, ce moment crucial où il sait que toutes les caméras de télé sont sur lui, il y a un arrêt de jeu parce qu'il faut enlever une chaîne à un mec. On a tous enlevé, genre, on a tous quelqu'un qui nous a demandé un jour, tu veux pas m'aider à enlever cette chaîne? Et là, on est là à galérer, avec la toute petite boucle. Et tout ça, sans public, sans personne qui vous met la pression. Imaginez le truc. Et là, on s'est dit, oh là là, ça peut être un malaise total, il va falloir chercher des ciseaux. Enfin bref. Et le mec, il arrive en moins d'une minute. Et je sais pas qui tu étais, je vais faire mes recherches. Mais reste pas toi, t'as réussi ta Coupe du Monde. Et au-delà de la fameuse chaîne, Kouné, c'était encore une fois pas hyper convaincant au poste de latéral droit. Kavenagi nous dit quelle tristesse, j'ai eu mal au cœur en le voyant, quelle idée de le foutre arrière droit, bordel. Alors, c'est vrai que Kouné, déjà, bon, effectivement, arrière droit, ça, c'est pas sa faute. Il pouvait pas savoir que Pavard allait sombrer en dépression au bout d'un match. Parce que figurez-vous que si c'est pas Kouné, c'est Dizazi. C'est Dizazi maintenant. Donc, à un moment, Dizazi à droite, moi, je veux bien des essais. Moi, j'aime le panache, pas de problème. Mais restons, je veux dire, à un moment donné, Dizazi à arrière droit en quart de finale d'une Coupe du Monde, en demi, tout ce que vous voulez, c'est absolument inenvisageable. Donc, Jules, avec tes défauts, ta chaîne en or, t'es Rasta, la Snoop Dogg. Concentre, focus, Jules, parce que vraiment, c'est ton moment. C'est ton moment. Il n'y aura pas de plan B, Jules. C'est toi. Tu parlais de pression et des yeux qui étaient rivés sur sa chaîne. Il y a plus de 14 millions de personnes qui ont vu sa chaîne sur TF1. Record d'audience à la télé française en 2022. Et à titre de comparaison, France-Argentine en 2018, le 8e de finale, c'était 12,5 millions. Petite donc, différence. 2 millions de plus hier. Petite différence néanmoins par rapport à 2018. Aujourd'hui, on comptabilise a priori les gens qui le regardent dans un bar. D'accord. Ce qu'on ne faisait pas en 2018. Donc je pense qu'on reste un petit peu en dessous. La différence aussi, c'est peut-être qu'en 10 minutes, il faisait beau, donc il y avait d'autres choses à faire que de voilà, la parce télé. Que, alors, je ne sais pas où vous étiez, dans quelle ville vous voyez, mais alors dimanche à 16h, je vous dis, vu le froid de canard qu'il faisait, même quand tu ne veux pas, tu finis par regarder, hein, parce qu'il n'y a absolument rien d'autre à faire. Donc voilà, et samedi soir prochain à 20h, alors si, tu peux aller faire un ciné, un truc, machin, mais c'est pareil, à mon avis, les gens, ils vont faire quoi? Ils ne vont pas aller se balader pour boycotter, alors qu'il fait nuit et qu'il fait moins 15. Bon. Ils vont regarder, tout le monde. C'est Guillaume, Stephman nous dit, c'est Guillaume Vassou, le kiné qui a enlevé la chaîne. Merci Stephman et bravo Guillaume. Bravo Guillaume parce que tu peux être fier de toi. Habile de ses mains. Au lendemain de cette victoire, du coup aujourd'hui c'est journée off pour les Bleus. Ils vont passer un peu de temps en famille. Hier on a vu notamment Griezmann qui rentre à l'hôtel, qui retrouvait sa petite fille. Ils vont pouvoir faire un petit break pour recharger les batteries. Oui, bah, c'est le moment là. C'est le moment, il y a un peu de temps. 4 jours après préparer le match, on a le temps de monter en pression. Ça, c'est la Coupe du Monde qu'on aime. C'est quand les matchs s'arrêtent un peu, le rythme devient un peu moins trépidant. Et on a le temps de monter en pression, de s'imaginer à quoi ça peut ressembler, de voir un pays se soulever. Enfin, j'exagère un peu. Mais voilà, là, on est dans le rythme des derniers jours d'une Coupe du Monde. Et ça, c'est le meilleur moment. Comme disait Clémenceau, hein, le meilleur moment de l'amour, quand on monte les escaliers. Voilà, on monte les escaliers. Belle citation.